ravi de vous retrouver sur Go Entrepreneur, deuxième journée. Pour cette deuxième journée, une première masterclass. On va se poser une question: comment bien recruter la bonne compétence? Embaucher son premier salarié, c'est un cap dans une activité et cela ne s'improvise pas. Il faut penser à l'identification des besoins, aux méthodes, aux profils adaptés et aux aides disponibles. Et puis, comment manager ce premier collaborateur? Alors, ce workshop, il est réalisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Vous allez avoir avec nous des experts sur le sujet du recrutement. Ils vont nous éclairer. On les remercie de leur présence. Je vous les présente. Véronique Payeux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la coordinatrice régionale emploi de la CCI Paris-Île-de-France. Avec nous également Olivier Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en ressources humaines, recrutement à la CCI Paris-Île-de-France. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, merci tout d'abord de nous accueillir. Alors, on va débuter. Merci à tous et à toutes d'être présents ce matin. Ravie de vous accueillir pour cette masterclass RH qui va être dédiée au recrutement. Donc effectivement, elle va être animée par Olivier et moi-même. Tous les deux, on fait partie des services appui RH. On est des conseillers RH à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On fait partie des services appui RH de la Chambre de commerce de Paris qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises sur cette thématique de la gestion des ressources humaines et notamment sur le recrutement, d'où notre présence ce matin sur cette thématique. Pour ma part, donc effectivement, j'accompagne depuis de nombreuses années des TPE et des PME notamment sur cette thématique du recrutement. Et à mes côtés, Olivier qui est conseiller RH voilà, donc également. Exactement, donc conseiller RH avec une spécialisation sur l'aspect recrutement et une vie intérieure en cabinet de recrutement. J'accompagne les entreprises, donc TPE, PME majoritairement, sur leur problématique de recrutement avec également le fait de leur expliquer également les aides disponibles en la matière. Voilà. Alors, ce matin, on va essayer en 45 minutes, finalement, de vous donner des conseils pratiques pour optimiser vos premiers recrutements. Alors, on va pas, c'est pas une science exacte, hein, le recrutement. Exactement. Il y a le H dans ressources humaines qui, voilà, c'est un peu aléatoire, mais on va vous donner des conseils pratiques pour vous rassurer sur vos recrutements et on va voir les points suivants. On va voir les coûts d'un recrutement, les conseils et les étapes pour bien recruter. On verra ensuite la sélection des candidats, l'intégration, et je ferai un petit zoom rapide hein, sur quelques aides à l'embauche, notamment issues d'un jeune, une solution. Donc voilà, on s'est présenté. On a présenté en fait les thèmes qu'on allait aborder. Rapidement, là, pour ceux qui nous écoutent, donc vous êtes soit des créateurs, soit des chefs d'entreprise. Peut-être que demain, hein, finalement, pour faire grandir votre structure, vous allez devoir faire appel à de nouvelles compétences. Vous ne pourrez pas travailler seul et vous allez donc lancer vos premiers recrutements. Mm-hmm. Lorsque, finalement, on lance ses premiers recrutements, ce n'est pas toujours un exercice aisé, hein, Olivier. Oui, oui. Ça peut être générateur de stress oui. Pour les dirigeants. Alors, on va vous donner des conseils pratiques parce que, finalement, le recrutement, c'est un véritable enjeu. Il y a des risques, quand même, derrière le recrutement. Mm-hmm. En quelque mot, Olivier, finalement. Oui, alors, c'est quoi le recrutement? C'est l'interrogation que je vous pose ce matin. C'est un peu plus complexe que le simple fait de trouver une compétence et de la mettre en face d'un poste. C'est un cheminement qui est un peu plus complexe et qui nécessite un travail en amont et en aval des entretiens d'embauche. Donc, il faut bien définir son besoin par rapport au profil recherché et également une étape qui est malheureusement négligé, c'est d'intégrer la nouvelle recrue dans son milieu professionnel. Et ça, c'est très important. C'est 80% d'un recrutement réussi. Voilà. Donc, un recrutement mal orchestré, mal processé, ça a des conséquences assez embêtantes, importantes, des contraintes et des pertes aussi. Alors, on va en parler. Donc, des pertes qui sont surtout sur la perte de temps. Donc, les conséquences d'un recrutement raté, c'est la perte de temps parce que vous allez prendre le temps, vous allez peut-être vous dégager sur des opportunités business sur lesquelles vous ne pourrez pas opérer. C'est également de la perte forcément d'argent. Hein, voilà, puisque vous allez initier des actions, je parle notamment des annonces.
Ça peut être aussi les outils que vous allez peut-être prendre pour recruter. Donc, ça a un coût, tout ça. Et les répercussions également sur l'entreprise. Alors, quand je dis ça, c'est peut-être que ce recrutement est issu d'une création d'un service, parce que ça arrive régulièrement. Et donc, vous affectez des personnes sur d'autres tâches. Et en attendant, ben, il y a des postes vacants, les choses n'avancent pas. Et voilà les répercussions. Alors, je vais vous présenter également les coûts d'un recrutement raté. Donc, c'est assez important, ça fait peur, mais c'est réel. On estime entre 20 000 et 200 000 euros, voire 630 000 euros pour des postes de direction, les coûts d'un recrutement raté. Alors, les ingrédients de ce calcul, quels sont-ils ? Bon, déjà, ben, vous avez tout ce qui concerne les annonces, les cabinets de recrutement, les tests que vous allez acheter. Vous avez la rémunération. Alors, la rémunération, c'est vous avez réussi à trouver la compétence, vous la recrutez, vous la payez, et puis au bout de 2 jours, ça ne va pas. Ou alors, j'exagère, mais au bout d'un mois, oui, ça arrive en plus, mais au bout d'un mois, ça ne va plus. Il faut bien payer et rémunérer cette personne. Donc, le coût du maintien du poste, le coût du licenciement, le coût des erreurs business, il y a quand même pas mal de choses. C'est important de bien définir son besoin quand on recrute. Je vais vous rassurer, il y a un petit chiffre important, c'est un process d'embauche échoue dans 13,5% des cas. Donc ça arrive, mais avec les conseils qu'on va vous donner ce matin, on va essayer de les éviter, ou vous permettre de les éviter du moins. Donc voilà à peu près ce qu'on a à dire sur le recrutement raté, le coût d'un recrutement raté, pardon. Les chiffres peuvent un peu faire peur. Hein, ce que dit Olivier, mais c'est un peu long, parce que c'est vrai que c'est au moins pour vous montrer qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu stratégique quand on recrute, et il y a un enjeu de réussite de ce recrutement, parce que finalement, vous êtes des jeunes entreprises, et le coût financier, lorsque le recrutement finalement est raté, peut finalement vous mettre en difficulté dès le démarrage de la structure. Donc bon, il faut en avoir conscience, mais on va essayer de vous rassurer ce matin. On va vous donner des conseils pratiques qui peuvent paraître parfois évidents, mais qui sont tirés de notre expérience avec les chefs d'entreprise sur le recrutement. Et je dirais que le premier conseil pratique, c'est souvent on pense que le recrutement, finalement, c'est un peu intuitif, c'est au feeling. Moi, je dirais que malgré tout, quand même, le recrutement, ça ne s'improvise pas. Et il y a une vraie procédure, un vrai formalisme. Il y a des étapes qui sont incontournables. Et Olivier, est-ce que tu peux finalement nous donner les grandes lignes d'un recrutement, les étapes vraiment indispensables, bien sûr. On veut bien faire? Oui, bien voilà. Alors, je le remets, on le redit, on ne le redit pas assez. Le recrutement ne s'improvise pas. Alors, la première chose à bien mettre en place, c'est la définition exacte et précise du besoin. Quand vous allez recruter, n'hésitez pas à lister les activités à effectuer. Voilà, les missions principales du service, les missions principales du poste. Listez également les savoirs, donc les savoirs théoriques, les diplômes, formations nécessaires. Vous avez également tout ce qui concerne les savoir-faire, donc plus communément appelé les hard skills, donc c'est ce qui est nécessaire en termes de compétences directes pour le poste, mais également les soft skills, donc les savoir-être directement liés au poste. Voilà, donc ça demande un exercice un peu long, fastidieux, mais il faut le faire pour réussir. Ensuite, la mise en place de la campagne de recrutement par le choix des sources de recrutement. Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'on ne recherche pas un ingénieur en informatique, par exemple, là où on trouverait un technicien itinérant. Voilà, il faut utiliser la bonne méthode, les bons outils de sourcing. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui existent. On a des job boards plutôt classiques et généralistes, mais on a également maintenant de plus en plus les réseaux sociaux professionnels, sans citer de nom, qui peuvent également nous aider dans ce choix. Et puis voilà, donc c'est important parce que ça représente un coût. C'est important de bien le définir. L'élaboration du processus de sélection pour choisir des profils adéquats, donc c'est qu'est-ce que je mets en place dans mon processus? Est-ce que je mets en place des tests? Est-ce que je mets en place des mises en situation? Est-ce que je fais un entretien? Alors, on va revenir un petit peu plus tard dessus, mais est-ce que je fais un entretien en groupe, un entretien plutôt classique? Voilà, il y a plein de choses à voir à ce niveau-là. Ensuite, la décision finale d'embauche, c'est la signature du contrat de travail, c'est d'avoir le bon timing. Donc, les candidats sont en recherche, enfin, bien entendu, vous aussi. Il est important de pouvoir communiquer sur le timing défini et que vous
puissiez ne pas perdre en fait les compétences en cours de route. Et enfin, très important, très important, l'intégration de la recrue et l'observation de son évolution pour juger la perspicacité du recrutement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'intégration ou l'onboarding, plus communément appelé, voilà, c'est très important. Il faut savoir et prendre le temps d'accueillir les nouvelles recrues. Voilà. Merci Olivier. Alors en fait, à retenir de ce slide, de cette présentation sur la procédure, finalement, il y a 5 grandes étapes. Il y a la définition du besoin. Il y a ensuite finalement le sourcing, l'évaluation, comment je vais évaluer le bon candidat, la décision finale et l'intégration. Donc on a 5 étapes. Ces 5 étapes, je dirais qu'elles sont incontournables, elles sont primordiales, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Toutefois, par expérience, je voudrais juste attirer votre attention sur finalement les deux extrémités, qui sont l'étape 1 et l'étape 5. Alors l'étape 5, on va revenir dessus, Olivier en a déjà un petit peu parlé, c'est l'intégration. Oui. C'est le fait qu'une fois qu'on a recruté son collaborateur, le recrutement ne s'arrête pas à « bonjour, ravi de c'est vous le bon candidat, c'est vous que je choisis », mais finalement on va s'arrêter beaucoup plus loin. On s'assure qu'un recrutement est réussi lorsque finalement on a en gros intégré correctement et finalisé la période d'essai et gardé la personne. Parce que finalement réussir un recrutement, c'est quoi? C'est trouver la bonne compétence pour le bon poste, et c'est savoir la garder aussi, cette personne. Voilà, c'est également la fidélisation qui est importante dans le recrutement. Donc voilà, la cinquième étape, on reviendra dessus, elle est primordiale. Mais je voudrais insister sur la première étape. Pour accompagner depuis de nombreuses années des TPE-PME, lorsqu'on travaille sur leur recrutement, c'est souvent finalement cette étape qui est primordiale, c'est la première, qui est un peu négligée en termes de temps et sur lequel le dirigeant passe le moins de temps finalement. Or, c'est l'étape qui est cruciale. Pourquoi ? Parce que vous allez définir votre besoin. Donc, vous allez définir finalement le profil de poste. Donc, exactement, j'ai besoin de quoi dans l'entreprise ? Donc, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Il faut prendre le temps de s'arrêter. On ne se précipite pas, s'il y a un premier chose à savoir, on ne se précipite pas sur un recrutement et on formalise les choses. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur pourquoi je recrute, pour faire quoi, sur quelle mission. Et donc, on va avoir tout un tas de questions. Est-ce que le recrutement, finalement, est-ce que j'ai le budget? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que finalement, je dois y aller? Et qu'est-ce qui se passe si je ne recrutais pas? Donc vraiment, c'est la première étape qui est essentielle. Prenez du temps, s'il vous plaît, sur cette partie. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez avoir fait ce questionnement, vous allez savoir ce que vous recherchez. Et c'est beaucoup plus facile ensuite, lorsqu'on sait ce qu'on cherche, de trouver finalement ce qu'on cherche. Or, si on part mal dès le départ, si on n'a pas finalement bien défini son besoin, le recrutement dès le départ est tronqué. Donc, définissez bien votre besoin, le profil, et ensuite, ça va découler de source. Vous saurez ce que vous recherchez, quelles sont les compétences essentielles, et l'évaluation découlera de source, puisque vous saurez ce que vous allez devoir évaluer lorsque vous lisez les CV, lorsque vous faites les entretiens professionnels. C'est super important. Dans les étapes que l'on a vues aussi, donc, on a parlé du sourcing. Je voudrais insister sur un petit point, qui est la rédaction de l'annonce. Aujourd'hui, quel que soit le support que vous choisissez, c'est comme l'entretien. On passe pas, on fait pas un recrutement sans rédiger quelque chose, sans faire une annonce. Si je rédige une annonce, il faut avoir quelques petites, astuces en tête pour attirer. Parce que finalement, l'annonce, c'est quoi? C'est ce qui va attirer vers vous les bons candidats. Donc, il va flécher les bons candidats. Si vous avez personne qui répond, c'est que soit c'est un métier en tension, compliqué à recruter, vous le savez et vous serez pas surpris, soit c'est parce que vous avez mal rédigé l'annonce. Si par contre vous avez trop de candidatures, c'est que là aussi peut-être que l'annonce elle n'est pas si claire que cela. Donc des petits conseils, soyez attractifs. Le titre, soyez juste dans le titre puisque les candidats recherchent par le titre. Petit conseil pratique également, ne mettez pas sur le même plan toutes les missions. Parce que souvent quand on définit un besoin et une fiche de poste, on a des missions essentielles et quelques missions accessoires. Et parfois quand on liste une offre de poste, on va mettre les 5 missions. Et un candidat qui va répondre, finalement, il va regarder les 5 missions, puis va se dire, bon, bah, la quatrième, il y en a une, sur celle-là, je ne suis pas compétent, j'ai jamais fait. Ouais. Malheureusement, c'est un poste de commercial, c'est la prospection et c'est 80% du poste. Bah, là, vous avez perdu votre temps, hein, finalement, et le candidat aussi, donc il ne colle pas. Donc, il faut que l'annonce, elle soit claire et qu'on... Pardon, excusez-moi. J'espère que vous m'avez entendu. Il faut que l'annonce soit claire. Je voyais Olivier qui me faisait des signes. Désolée pour le micro, je n'ai pas toujours l'habitude de le mettre au bon endroit. Il faut que l'annonce soit claire, précise, qu'elle flèche les bons candidats et que finalement elle soit attractive. Aujourd'hui, juste pour vous, un petit conseil également, c'est que les candidats, finalement, ce qui va les attirer, ce n'est pas forcément la rémunération, ce n'est pas le premier critère de choix lorsqu'ils lisent une annonce, mais c'est les missions. C'est là-dessus qu'ils vont s'arrêter et sur l'attractivité de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise aussi qui sont mis finalement dans l'annonce.
Est-ce que tu as un petit conseil, Olivier, sur la rédaction de l'annonce? Est-ce qu'il y a un petit plan à suivre? Alors, sur la rédaction de l'annonce, essayez de distinguer en trois parties. La première, c'est un peu l'identité de l'entreprise, par les plus communément appelée la marque employeur. Voilà. Et une marque employeur attractive, parler vraiment de vous. Ensuite, parler du poste. Donc, comme le disait Véronique, il faut que ça soit un peu sexy. Voilà, parler un peu du challenge que du poste, parler en présent de l'action surtout, ne parlez pas au passé ou parfait, voilà, c'est très important. Et puis la troisième partie, c'est plus le côté savoir faire, savoir être, tâches, enfin du moins les compétences indispensables, voilà, pour le poste. Mais distinguez bien ces trois parties et donnez envie, mettez-vous à la place du candidat. Si je lis l'annonce, est-ce que j'ai envie d'y aller, voilà, et tout simplement. Et c'est d'autant plus important pour les petites structures parce qu'elles sont exactement. Peu connues. Donc le candidat va se renseigner, ouais. il va aller chercher voir voilà qui vous êtes, ce que vous proposez. Donc c'est important qu'on trouve des choses aussi sur l'entreprise parce qu'il va faire des recherches, sur les réseaux pour mieux vous connaître puisque vous êtes une petite entreprise. Donc même dans l'annonce, voilà, attirez et mettez-vous en scène et mettez-vous en valeur. Quelques astuces? Oui, alors on va parler de quelques petites astuces. Alors on va reprendre par étape du recrutement les petites astuces. Alors première astuce, c'est d'associer les différents acteurs du recrutement à la définition du poste. Alors ce que je dis, c'est qu'on ne recrute pas seul. Si vous pouvez, si vous avez un associé, si vous avez des managers, des opérationnels, ou même un salarié déjà présent, n'hésitez pas à l'associer à ce recrutement pour essayer d'éviter de faire de l'anthropomorphisme. Ce qu'on dit, c'est qu'un poste appartient à Mathieu et à Julien et on veut copier-coller. Voilà, l'effet miroir. Ben non, un poste, c'est pas ça. Il y a des compétences indispensables. Et il faut que ça colle au service. Je peux poser tout de suite une situation parce que ceux qui nous écoutent ce matin, pour certains, vont devenir des chefs d'entreprise et ils vont pas forcément avoir quelqu'un à leur côté. Alors comment on fait? Parce qu'ils doivent se dire, ok, je recrute pas seul, mais avec qui finalement? Parce que je suis tout seul. Ben oui. Alors comment ça se passe quand c'est comme ça? Ben n'hésitez pas à faire appel à votre réseau. Quand vous avez été dans votre création, vous avez forcément été à un moment donné avec des personnes sur la même secteur d'activité que vous. Donc n'hésitez pas à vous entourer de ces personnes-là. N'hésitez pas aussi à faire appel à la CCI, à nous, puisque on connaît bien. Maintenant, on est là pour ça. On peut vous aider à définir un peu tout ça. Il y a également nos partenaires, que sont l'APEC, le Pôle emploi. Ne pas hésiter aussi à se référer au texte réglementant la profession. Donc, que dit votre convention collective? Que dit le répertoire opérationnel des métiers? Voilà. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui disponibles pour ça. Donc, mais surtout, évitez de le faire seul. d'échanger et de voir si on a eu le même ressenti. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 2, à chaque recrutement, il faut se poser certaines questions. Comme je le dis, quel vecteur utiliser? Est-ce que j'utilise un job board? Est-ce que j'utilise un réseau professionnel? Ou est-ce que je fais de la cooptation? Parce que on a des profils qui sont en tension, pénuriques, et on ne les trouve pas au même endroit. Donc, encore une fois, il y a aussi la question du budget. Prendre ces job boards ou utiliser des réseaux professionnels, ça a un coût. Donc, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que le fait de recruter ce technicien n'est pas plus simple parce que on a des salariés ou on a des personnes qu'on connaît qui peuvent faire bouche à oreille, cooptation, enfin voilà. Donc bien réfléchir à cette question. Ensuite, choisir les bons outils en fonction du recrutement. Alors ce que je vais vous dire par là, c'est plus la partie contractuelle juridique. C'est est-ce que je recrute sur un CDI, un CDD? Est-ce que ce serait peut-être plus intéressant de faire de l'alternance parce que voilà, je vais aider aussi une personne à monter en compétence, je vais la former. Est-ce que c'est pas plus important, intéressant de faire du portage salarial, du prêt de main d'œuvre? Enfin, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui disponibles que le simple CDI classique. Voilà. Ensuite, élaborer un processus clair de sélection, identifié et non discriminant. Votre processus doit être clair, communiqué au candidat, dans un timing imparti. Donc ça, il faut bien y penser. J'en parlerai aussi juste après. Donc consacrer du temps et un timing précis qu'il faut communiquer pour éviter la perte des candidats. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les candidats sont également en recherche. Mais si vous communiquez votre process au candidat en disant, d'ici 2 semaines, j'aurai terminé de voir tous les
les candidats, et je reviendrai vers vous, si le candidat avait de l'attrait pour le poste, eh bien, au moins, voilà, il attendra, et puis il ne va pas s'inquiéter en se disant, mince, ils ne m'ont pas rappelé, bon, bah, je passe à autre chose. Ils sont volatiles. Hein, ils sont très volatiles. Candidats, hein. Et encore une fois, sur certains profils, faut vraiment le resserrer. Et donc, ce que je disais, donc 80% d'un recrutement réussi se joue au moment de l'intégration. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer les bonnes choses à savoir pour l'intégration. Mais attention, encore une fois, à cette étape qui est très importante et primordiale si vous voulez conserver vos compétences. Merci. Donc, plein de petites astuces qui sont intéressantes. On peut peut-être en rajouter une si jamais il y avait un échec. À chaque fois qu'il y a un échec, on recherche pourquoi on s'est trompé et on en fait une force de cet échec. Donc, c'est très important. Donc, voilà, on a vu les petites astuces. Maintenant, on va passer sur la sélection. On est sur la phase 3. On a donc défini son besoin. On a défini son sourcing. Ce qui est important sur le sourcing, tout à l'heure on en parlait, c'est finalement d'utiliser le vecteur en fonction de où se trouve le bon candidat et le bon profil que l'on recherche. Ils ne sont pas tous au même endroit. Mm-hmm. C'est comme quand on disait à une époque, mais je vais paraître une très très ancienne, quand on parlait de la presse écrite, suivant la cible, cadre, non cadre, jeune, moins jeune, etc., expérimenté ou pas, on n'utilisait pas la même presse. Là c'est pareil. Oui. Finalement, on va chercher le candidat que l'on souhaite là où il se trouve. Oui. Alors la sélection, finalement, comment ça se passe? Comment on trouve, une fois qu'on a eu plein de CV, le exactement, bon candidat. Voilà, dans le meilleur des mondes, on a eu plein de CV, super tip-top. maintenant, il va falloir commencer à analyser les candidatures. Donc, quand vous recevez vos CV et vos lettres de motivation, parce que bon, ça arrive encore, il faut privilégier le contenu. Ne vous arrêtez pas sur la forme. C'est-à-dire qu'un beau CV peut cacher certaines incohérences, et donc il faut bien regarder, enquêter. Voilà. Et essayer de voir pourquoi c'est rédigé comme ça, quelle est sa sensibilité. Je suis d'accord, je mettrai juste un petit bémol. Oui. La forme peut être parfois intéressante sur certains profils et sur certains métiers. Parce que si, le marketing, la communication, où la forme est importante, lorsqu'on a un CV qui finalement est mal mis en scène, on s'interroge sur certaines compétences. Ça peut être un bon. Alors, c'est une personne qui est très créative, mais derrière, s'il n'y a pas grand-chose, on l'attend déjà dans le CV. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, soyez pointilleux sur la langue. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que le CV, c'est un outil essentiel dans la recherche d'emploi. Donc, il doit être normalement irréprochable. Donc, rechercher les fautes d'orthographe, les mots peut-être appartenant à des registres familiers, ce genre de choses. Et les erreurs aussi doivent être traquées. Si vous cherchez une personne qui a des capacités rédactionnelles hors pair, faites attention à ça. Ensuite, faites le tri à deux de préférence, encore une fois. Donc on n'est pas seul. On fait le tri ensemble, on se confronte les idées, on confronte un peu les choses par rapport à son service. C'est très important. Ayez toujours à portée de main le profil de poste. On y revient à chaque fois. Donc j'ai le CV. Alors je parle de ça, c'est surtout dans les débuts. Parce que c'est des automatismes à avoir. Donc dans les débuts, c'est vrai qu'on va beaucoup chercher est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'on est en phase. C'est pas grave. Voilà, on va se tromper. Vous allez vous tromper, mais c'est pas grave. Ayez toujours votre profil de poste à porter, et puis c'est de d'y revenir et de trouver des parallèles. Ensuite. Vous cherchez sur le CV les contradictions et les incohérences. Et ça, c'est très important. Je vous donne un exemple. Pourquoi un candidat qui fait gagner 5 millions d'euros à sa société l'année dernière vient d'être licencié? Voilà, donc ça c'est peut-être des incohérences de ce type-là. Ou peut-on parler parfaitement 6 langues ou être bilingue quand on n'a pas vécu à l'étranger? C'est plein de choses comme ça qu'il faut se poser, plein de petites questions comme ça qu'il faut se poser quand on recrute. Mais cherchez les incohérences, ne vous arrêtez pas simplement sur ce que le candidat annonce. Ouais. La lecture du CV, elle est très très importante et on se rend compte quand on échange avec des recruteurs, finalement on n'y passe pas beaucoup de temps sur cette lecture de CV. Et si on n'y passe pas beaucoup de temps, il faut être tout de suite percutant. Et on est percutant finalement lorsqu'on a à côté de soi les 4-5 éléments qu'on doit tout de suite retrouver à la lecture du CV ou la lettre de motivation. Voilà. Et on doit s'arrêter sur ces 4-5 points. Et une fois qu'on a ces 4-5 points, on les a ou on ne les a pas. Si on ne les a pas, on se pose la question si c'est finalement une compétence qui était essentielle et dans ce cas-là, je mets de côté la candidature. Ou si c'est moins essentiel, je sais qu'elle ne l'a pas, la personne, et je sais que peut-être que je devrais faire une action de formation. Mais l'importance vraiment du tri du CV, c'est vraiment par rapport à votre
définition besoin et votre grille de compétences que vous avez mis au départ. Une fois, et ça sera pareil pour les entretiens hein, par la suite, on valide 4-5 points déjà et ensuite, on regarde plus largement. Exactement. Okay. Donc, alors, une fois que vous avez donc la sélection des candidats, on va parler de quelques étapes, surtout l'étape de l'entretien, puisque c'est l'étape qui tout le monde intéresse. Donc, il y a quelques obligations à avoir de la part de l'employeur. Donc, quand vous recrutez, attention, obligation de respecter la vie privée et personnelle du candidat. Il faut savoir que toutes les questions que vous allez poser doivent avoir un lien direct avec le poste. Donc, et doit valider les aptitudes professionnelles. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va un peu choquer certains d'entre vous, mais demander par exemple les hobbies, normalement, ça n'a pas de lien direct avec le poste et ce n'est pas une question qu'on est censé pouvoir poser. Mais bon, voilà, si le candidat en parle lui-même, pas de souci, vous pouvez échanger à ce niveau-là. Également. Un petit bémol peut-être, oui, les hobbies, effectivement, s'il les a mis sur son CV et qu'on peut en tirer quelque chose par rapport direct à ce qu'on... le poste. Savoir-être. Notamment, ça peut être intéressant. Moi, je vais faire bêtement. On a un CV avec un joueur, un sportif, et qui a fait un sport co. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, hein, bien sûr. Mais suivant le poste qu'il a occupé, on peut se dire qu'il a un esprit d'équipe, qui une bonne gestion du stress. Il a fait de la compétition de haut niveau. Donc, on peut un peu le faire parler. Je pense là-dessus, oui. Dès lors qu'on va valider des savoir-être. Bien sûr. Bon, après, c'est vrai que sportif, si c'est tout ce qu'il a fait avant d'arriver sur une autre carrière. Donc oui, c'est vrai qu'on peut, se servir de ça. Exactement. Sur son CV. Je pense qu'on peut en tirer des choses. Oui. Ouais, pardon, exactement. On peut en tirer des choses, excusez-moi. Pas de souci. Ensuite, il y a une obligation de transparence et de pertinence. Tout votre process doit être communiqué au candidat. Si vous collectez des données également, bien entendu, vous devez en parler au candidat. C'est très important. Il n'y a aucune information personnelle qui doit être conservée et collectée sans que le candidat n'ait pris connaissance au préalable. Et ensuite, donc, il y a la confidentialité des résultats, c'est-à-dire que tous les résultats ne doivent pas être communiqués à des tiers et doivent servir uniquement à l'entretien ou pour votre prise de décision et donc ne doivent pas être communiqués. On va parler également des différents types d'entretiens. Alors, je vais parler de l'entretien téléphonique. Et j'ai envie de dire même pré-qualification téléphonique. C'est une étape importante. Des fois, et c'est malheureux de le dire, mais qui se substitue à un entretien individuel. Et qui se, voilà. Donc, l'entretien téléphonique, il faut vous dire que c'est simplement un entretien de validation de certains points. Par exemple, est-ce que cette personne est d'accord sur le fond par rapport au poste? Est-ce que sur la rémunération, on est d'accord? Est-ce qu'il est mobile? C'est ce genre de questions. Mais n'entrez pas dans le vif du sujet, entre guillemets. Laissez ça pour un entretien individuel qui vous permettra aussi de valider le comportement non-verbal. Au téléphone, on ne peut pas faire ça. Donc c'est une étape importante, mais qui ne doit pas se substituer à l'entretien individuel. L'entretien individuel, aujourd'hui, physique ou j'ai envie de dire visio maintenant, dans le contexte actuel, c'est une étape qui est pour moi obligatoire. Vous devez rencontrer les candidats, échanger avec eux par un regard, par le comportement de verbal, encore une fois. Enfin, c'est très important. Alors, on a aussi les entretiens dits successifs. C'est la possibilité de voir une personne dans une même journée, de la faire rencontrer plusieurs interlocuteurs, plusieurs opérationnels. Donc c'est un mode de recrutement qui est un petit peu un marathon. Hein, c'est un marathon pour le candidat et ça ne s'adapte pas à tout type de poste. C'est beaucoup plus pour les postes, pour les commerciaux en général. Et l'entretien de groupe, c'est un peu la même chose. L'entretien de groupe, c'est le fait d'avoir tous les candidats dans la même pièce, d'échanger avec chacun. Ça permet de valider en fait les candidats un petit peu plus qui sortent du lot, qui sont un peu peut-être sont un peu introvertis. Et d'ailleurs, un entretien de groupe, ça se fait pas seul, il faut être au moins deux ou trois parce qu'il faut des observateurs et une personne qui anime. Donc voilà, mais ça permet d'avoir des révélateurs de certaines compétences. Et enfin, ce que je propose, c'est de faire la technique STAR. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique STAR? Ça donne envie déjà. Oui, oui. C'est le fait de pouvoir, pouvoir poser vos questions sur chaque expérience. Alors, STAR, c'est déjà le S, c'est la situation.
Donc, n'hésite pas à poser la question, quelle situation complexe ou avez-vous connue dans votre expérience, et de me l'expliquer. Ensuite, T, c'est les tâches. Alors, quelles tâches vous avez dû accomplir dans cette expérience, comment vous avez fait, voilà. Les actions, quelles actions vous avez entrepris et qu'est-ce qui a été révélateur, parce que ça a été révélateur pour vous d'avoir ces actions, donc c'est une compétence supplémentaire, et les résultats. Donc voilà, donc les résultats que vous avez obtenus, est-ce que d'ailleurs ça vous a permis d'obtenir une prime ou d'autres avantages. Donc pensez à cette méthode, donc STAR, donc situation, tâche, action et résultat. Factuel quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Les histoires du candidat pour valider qu'il a réellement fait les choses, donc la compétence. Je voudrais juste revenir avant qu'on détaille un peu plus l'entretien, rapidement l'entretien téléphonique. On en a parlé, alors c'est pas encore complètement utilisé par tous les recruteurs. Pour ma part, moi, j'aime bien l'utiliser, mais attention, quand on utilise l'entretien téléphonique, ça se prépare. Ça se prépare pour le recruteur. On sait ce qu'on va valider pendant cet entretien téléphonique. Donc, on prépare comme l'entretien physique les questions que l'on va poser. Le but, souvent, pour l'entretien téléphonique, c'est d'évacuer certaines choses comme la disponibilité du candidat, immédiate ou pas, la rémunération, les langues, des aspects techniques qui sont primordiaux et qu'on peut valider tout de suite par téléphone. Et ce que je vais vous dire aussi, ne mettez pas le candidat en situation difficile. L'entretien téléphonique, pour lui aussi, il doit pouvoir le préparer. Donc, je ne prends pas mon téléphone, je n'appelle pas sur un coup de tête le portable du candidat et qui va être dans le train, peut-être en retour ou, voilà, ou sur son lieu professionnel et qui ne pourra pas forcément vous répondre dans de bonnes conditions. Donc, on lui fixe un rendez-vous, pareil. On lui explique pourquoi il y a un entretien téléphonique avec qui, quelle offre, voilà, pour laquelle il a postulé. Et une fois qu'il est dans de bonnes conditions, et vous également, vous faites un entretien téléphonique de 10 à 30 minutes, mais qui va vous permettre d'évacuer certains points pour éviter de perdre votre temps sur l'entretien téléphonique, l'entretien individuel. Alors, l'entretien individuel, finalement, quand on recrute, c'est comme l'annonce. Hein. Rares sont les recrutements qui se font sans entretien. Je pense que 98% des recrutements. Donc, ça se prépare. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on va vous en parler. Donc, la préparation de l'entretien en 6 points. Alors, préparer une grille d'entretien avec des questions portant donc, sur les soft skills, les hard skills, en lien direct avec le poste. Alors, très simplement, voilà, vous pouvez prendre des items. Alors, ça peut être connaissance de l'entreprise, connaissance du poste, etc. Enfin, connaissance aussi sur un outil. Et de simplement faire des remarques. Donc, de prendre un item, une remarque et une notation sur 5, par exemple. Voilà. Donc, essayez de faire des petites grilles comme ça. Ça vous permet aussi d'être beaucoup plus factuel, beaucoup plus concret dans votre recrutement. Et du coup, ça vous permet d'y revenir plus facilement. Préparer une ou plusieurs questions de mise en situation. Alors, les questions, on les prépare bien en amont et chaque question a une utilité. Peut-être que c'est des questions pour valider l'expérience professionnelle. Ça peut être qu'avez-vous le plus apprécié dans votre expérience précédente? Quelles sont les expériences professionnelles que vous avez eues? Ça peut être des questions aussi en lien avec la mise en situation. Si vous aviez la liste de ce qui est important pour réussir dans ce métier, qu'est-ce que vous y mettrez? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. On peut valider aussi les caractéristiques personnelles avec une simple question. Parlez-moi de vous, tout simplement. Comment vous décrivez-vous vous-même? Voilà, donc bien préparer ces questions en amont. Ensuite, fixer le système de notation qui sera utilisé pendant l'entretien. Alors, moi, pour la petite histoire, moi, je fixais un système de notation. Alors, ce n'est pas des notes à proprement parler avec des chiffres, mais c'est plutôt des plus, plus, moins. Voilà, fixez-vous votre propre système que vous pouvez vous-même interpréter et surtout que vous pouvez aussi le relire. Parce que c'est vrai de faire un système de notation qui, après, on ne sait plus ce qu'on a mis. C'est un peu embêtant. Mais voilà, fixez-le. Et encore une fois, préparer un descriptif détaillé du poste. C'est pas, le candidat ne va pas apprendre les conditions de travail, les horaires, l'environnement et la grille salariale, par exemple, au moment où il intègre la structure. Il faut valider tous ces points. C'est très important. Donc, il y a un moment donné où, moi, en tout cas, quand je fais passer les entretiens, je fais d'abord effectivement parler le candidat, mais il y a un moment donné où l'entreprise doit aussi parler d'elle et vraiment de tous les aspects. Donc, pensez-y d'avoir un descriptif détaillé du poste occupé. Voilà, préparez bien votre entretien en 6 étapes. Il faut attirer le candidat, hein, le exactement. Bon candidat. C'est dans les deux sens, un recrutement. Ouais, hein. Faut pas l'oublier. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, fixer le temps maximum pour chaque entretien. En général, pour un entretien, c'est 1 heure maximum. Au-delà, c'est trop. Non, et puis il faut éviter. Et puis j'ai même envie de rajouter, pas plus de 5 entretiens par jour.
Je sais que pour certains, voilà, ils aiment bien, voilà, c'est tout, compacté, le temps est précieux. Voilà, le temps est précieux. Certains dirigeants, donc c'est vrai que des fois, vous fixez sur une journée de passer tous les entretiens. Oui. Et attention, voilà, s'il y a... Mais à un moment donné, on manque de lucidité. Voilà. Et c'est plus, on n'est plus aussi... voilà, exactement. Voilà. Il ne faut pas que le subjectif remporte sur l'objectivité. Exactement. Et enfin, donc préparer une grille de synthèse des entretiens. Alors, une grille de synthèse d'entretien, c'est simplement dire les points forts, les points d'amélioration du candidat. Et surtout, à la fin de l'entretien, prévoyez un petit temps pour le faire. On le fait à chaud. On ne le fait pas à froid après avoir vu 5 candidats. C'est vraiment prendre le temps de le faire et de vous dire, de faire aussi un classement par rapport aux candidats que vous avez reçus à la fin de toutes les rencontres. Oui, c'est important. Hein. C'est important, effectivement, quand vous enchaînez, de vous prévoir à chaque fois 15 minutes de battement pour écrire à chaud ce qui s'est passé pendant cet entretien, parce qu'on oublie. Hein. On oublie, après, il ne reste qu'un ressenti et on peut se tromper, parce qu'on va subjectiver et non pas objectiver son recrutement. Pareil, hein, quand on fait un entretien, on se prend du temps, on pense à l'accueil du candidat, c'est essentiel. Hein, comment je vais l'accueillir, pas de téléphone, on est tout seul dans son bureau, on va le chercher. Voilà, parce que la bonne impression, c'est dans les deux sens. Vous faites une impression au candidat, comme lui va faire une première impression. Et à chaque fois, la première impression est importante des deux côtés. Donc voilà, quelques petits conseils sur l'entretien. Oui. Alors, une question qu'on se pose souvent, hein, c'est quand on recrute finalement, comment s'assurer de la sincérité du candidat ? Parce qu'il a préparé son entretien. Bien sûr, c'est normal. Comment on est sûr d'une sincérité ? C'est souvent ce qui angoisse un peu et qui peut stresser les recruteurs. Oui. Alors, encore une fois, les RH, c'est pas une science exacte. Hein. Donc, vous allez vous tromper, ça c'est sûr. Comme moi, j'ai pu me tromper, comme Véronique avait se trompé. C'est clair. Voilà. Mais on va essayer d'éviter cela par ces petites astuces. Tout d'abord, donc, vérifiez les diplômes, faites des contrôles de référence, allez regarder sur les réseaux, on va dire la marque employeur du candidat, j'ai envie de dire ça comme ça. Par contre, je veux juste peut-être aussi vous alerter sur la prise de référence. Il faut porter à connaissance au candidat de cette prise de référence. Alors, ça a deux rôles. Hein. Déjà, un, au niveau CNIL, etc., c'est important, hein, déjà, parce que vous prenez quand même des... c'est important, hein, surtout. Et RGPD aussi. Et ensuite... en termes de référence, c'est marrant parce que moi, dans mes précédentes expériences, quand je demandais des références aux candidats, certains s'offusquaient. Voilà. Et puis donc, alors quand ça arrive, c'est génial parce que ça fait du tri. Donc on va très vite. Donc on peut évacuer les candidatures. Utilisez toujours un questionnement en deux temps. Alors, toujours. Non. Enfin, quand vous avez plutôt une expérience sur laquelle vous avez des doutes, le questionnement en deux temps, c'est poser une question sur l'expérience. De demander de les détailler et ensuite passer à autre chose. Voilà, passer à une autre expérience, parler d'autre chose et vous y revenez un peu plus tard. Alors, si c'est une expérience où il y a eu pas mal de choses inventées, en général, le candidat est un petit peu désarçonné, il sait plus où il en est, il faut qu'il reprenne le fil de son histoire, mais en général, les histoires, vaut mieux les écrire, parce que sinon, on n'y pense plus. Donc voilà, donc ce questionnement de temps, ça m'a bien servi pour certaines de mes expériences en recrutement. Alors, servez à boire votre interlocuteur. C'est une petite astuce aussi pour détecter le niveau de stress. Vous mettez un verre d'eau sur la table près du candidat sans lui demander s'il le souhaite. Voilà, vous le posez et vous posez des questions au candidat. Et dès qu'il y a un moment de stress, un changement d'état émotionnel, vous allez voir que le candidat va boire automatiquement chaque gorgée avant de répondre à une question. Et du coup, ça permet de valider cet aspect-là. Ensuite, concentrez-vous sur les détails. Voilà. Détails, quand j'ai envie de dire ça, c'est plutôt le côté non-verbal, encore une fois. Regardez si sous la table, le pied n'est pas en train de trembler, si cette personne bouge beaucoup. Enfin, on sent le non-verbal. Le non-verbal est important. Très, très important. Ensuite. Mais on n'oublie pas qu'ils sont stressés. Quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour d'autres raisons. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire recours à des tests de personnalité. Alors, Sosie, Papy, ou encore Assess First. Alors pour Sosie et Papy, attention, il faut pouvoir le faire interpréter par un psychologue du travail parce que même moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir les interpréter. Mais c'est bien cette étude de test-là et c'est assez révélateur. Sur
les savoir-être, Oui, sur les savoir-être. Oui. Donc, on a vu la sélection. Tu nous as donné finalement quelques points, quelques astuces sur cette sélection. Maintenant, la dernière étape, qui est une des extrémités, qui est souvent finalement négligée. On pense que le recrutement s'arrête là, où finalement on a dit au candidat, ben, c'est vous, j'ai choisi. Finalement, le recrutement va bien plus loin. Exactement. Ouais. Et il y a une phase importante qui est l'intégration. Quelques points essentiels sur cette phase-là. Voilà. Donc, alors, pour l'intégration, quelques points essentiels et très importants. Alors, assurez-vous que nos collaborateurs disposent des bonnes conditions. Il ne faut pas attendre que le collaborateur arrive dans les locaux et se soucie à ce moment-là de son bureau, de son badge, ses accès, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est très important. C'est l'accueillir, c'est le mettre déjà dans les bonnes dispositions pour donner meilleur de lui-même. Un candidat qui arrive, du moins un nouveau collaborateur qui arrive et qui ne fait que de lire des procédures toute la journée parce que rien n'est prêt, c'est juste démotivant. Voilà. Et sachez que son processus de recrutement est peut-être encore en cours. Voilà. Sur d'autres postes. Ensuite, annoncer l'arrivée du nouveau collaborateur par email ou lors d'une réunion d'équipe. Donc, annoncer son arrivée, parlez-en autour de vous, de vos équipes. N'hésitez pas à mettre également une photo pour que, si on croit cette personne dans les couloirs, qu'on sache du moins qui c'est et qu'on puisse l'aider. Ensuite, rendez-vous disponible le jour J. Voilà, prenez le temps. Alors, soit une demi-journée, une journée, présentez-lui l'entreprise, les services, les postes de travail. Peut-être aussi de manière plus informelle, prenez le temps de déjeuner avec votre nouveau collaborateur. C'est très important. Remettez-lui un livret d'accueil, où tout sera recensé. Les horaires de l'entreprise, les petits rituels, pas mal de choses. Hein. C'est vraiment important de remettre un livret avec tout ce que le candidat collaborateur doit savoir en intégrant votre entreprise. Définissez les objectifs malins. Alors, c'est un anagramme, malin. Oui, j'aime bien ça. Les objectifs malins, c'est des objectifs qui sont mesurables, atteignables, limités dans le temps, négociables et stimulants. Attention, ça, faites-le. Ça permet que les règles du jeu soient établies, que l'on puisse, chaque personne sait du moins où mettre le curseur et ce qu'on attend, du collaborateur à l'issue de sa période d'essai. Et voilà, donc c'est le dernier point aussi. Donc soyez transparent sur ces critères d'évaluation, donc par vos objectifs malins qui ont été déterminés. Et ça permettra en fait, dans le cas où la période d'essai n'est pas validée, que vos collaborateurs aient la pleine connaissance de ce qu'on attend de lui. Voilà. Merci. Alors, on voit l'intégration, c'est tout simplement, on prépare en amont l'arrivée du collaborateur, on l'accueille, exactement. On l'accompagne pendant toute cette période et on l'évalue. Parce que si vous avez prévu une période d'essai, la période d'essai, c'est vraiment pour s'apercevoir, que ce soit le candidat ou vous-même, que finalement, c'est la bonne personne pour le bon poste et pour le candidat, c'est qu'il est au bon endroit par rapport à ses attentes. Exactement. Voilà, et ça permet, si ça se passait mal, de rompre le contrat finalement dans des conditions un peu plus simples. Donc c'est important, l'intégration, et vraiment ne passez pas à côté. Soyez bien présents, et d'autant plus si vous êtes... Alors là, on est revenu un peu sur site, mais c'est vrai que ces derniers temps, on était beaucoup en télétravail. Donc que ce soit les entretiens de recrutement, voire les phases d'intégration, lorsqu'on est à distance, on doit d'autant plus respecter toutes ces phases et en mettant des petits outils à disposition pour accueillir, pour présenter l'équipe, pour présenter, pour qu'il y ait un point quotidien, etc. Et pensez peut-être à un référent entreprise, un tuteur, quelqu'un, si bien sûr vous avez déjà un salarié, mais qui pourra répondre à toutes les interrogations de ce nouveau candidat, de ce nouveau collaborateur. Il existe, juste pour rajouter, il existe des outils d'intégration en ligne, faire de l'autre banding en ligne, n'hésitez pas à vous renseigner, mais ça, on ne vous dit pas je suis à distance, je ne peux pas l'intégrer. Ça... Voilà. J'ai quelques minutes, je vais aller très vite. Vous avez recruté, sachez que, en tout cas, vous allez recruter. Vous vous posez la question d'embaucher quelqu'un, sachez qu'il y a quand même des aides à l'embauche. Une fois que vous avez défini votre besoin, vous savez ce que vous recherchez, il y a peut-être des aides qui pourraient vous aider à franchir le cap parce qu'on a finalement un allègement financier. Pensez notamment à l'alternance, peut-être une solution. Je reprends un jeune qui prépare son diplôme et qui va être en entreprise et à l'école. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2021, si vous signez ce type de contrat, vous avez une aide pour un
mineur de 5 000 euros pour un majeur de 8 000 euros. C'est le contrat, pour le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Ça fait un coût très très faible, voire au niveau de zéro pour les plus jeunes. N'hésitez pas à réfléchir à cette solution. On est là pour vous répondre. Les emplois francs, c'est pareil. C'est une aide, CDI ou CDD. Vous recrutez quelqu'un qui finalement va habiter. C'est un demandeur d'emploi qui habite dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc si ce type de candidat se présentait à vous, vous avez une aide, si c'est un CDI, sur 3 ans, 5 000 euros par an, 15 000 euros sur 3 ans, et une aide un peu moins conséquente si c'est en CDD, de 2 500 fois 2 ans maximum, en fonction de la durée du contrat, qui est de 5 000 euros. Le VTE vert, pareil, rapide, c'est pour l'embauche d'un jeune diplômé qui a au moins un niveau bac plus 2, qui a eu 2 ans, qui a moins de 2 ans, qui a eu son diplôme il y a moins de 2 ans, ou qui est en alternance pour préparer un niveau au-delà du bac plus 2, donc minimum une licence. Si vous voulez embaucher une personne, un jeune, pour finalement une mission qu'on va dire développement durable, je vais aller court, vous avez des aides qui peuvent être de 8 000 euros par an pour la première année de contrat. Donc voilà, il faut une mission d'au moins un an. Et vous avez le CIE, qui est également le CIE jeune, pour les jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Et là, c'est un pourcentage du SMIC en termes d'aide pour finalement embaucher ce jeune et l'aider en même temps avec un parcours finalement avec Pôle emploi pour l'aider à prendre possession de son poste. Voilà, j'irai pas plus loin parce que j'ai pas le temps. Sachez qu'il y a des aides, on est là pour vous y répondre, mais ça peut parfois lever des freins et vous permettre de franchir le cap des premiers recrutements. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur ces questions concernant les aides et les aides du plan Jeune Solution. J'en ai fini. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis merci alors pour votre bonne humeur, c'était très agréable. Et puis surtout pour vos conseils pratiques pour optimiser ce premier recrutement et ne pas le rater. On a bien compris, ça peut faire très mal entre 20 000 et 200 000 euros un recrutement raté. Donc en effet, ça fait réfléchir. Il faut choisir la bonne stratégie. C'est un enjeu de réussite pour votre entreprise. Et c'est important donc de lister les missions, les savoir-faire, valoriser sa marque employeur. Et puis on a quelques méthodes, la méthode que je ne connaissais pas, je retiens, c'est 4 lettres et le coup du verre d'eau. Et vous avez quand même précisé que c'est normal d'être stressé lorsqu'on vient à un recrutement, bien sûr, hein, toujours de la bienveillance. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les conseils de la CCI auprès de leurs experts. Merci donc à vous deux pour la CCI Paris-Île-de-France. Merci beaucoup Olivier Pierre et Véronique Payeux. Merci d'avoir écouté. Et on se retrouve, nous, très très vite, hein, tout de suite, à 10h, avec une nouvelle masterclass. Comment développer son activité sur Internet. C'est tout de suite à 10h. Merci.